Venez ici. Tu vas te... C'est intolérable. Vous mangez comme des porcs dans cette maison. C'est quoi ce rythme effréné du gaspillage, ça? Ben, c'est la récente. Les ingrédients sont devenus très chers au marché, maman. Parfois, il faut s'y rendre pour y croire. Mm-hmm. Les prix sont devenus insoutenables sur le marché. Mm-hmm. Les ingrédients, là, c'est seulement ici à la maison. Les voisins font comment? Hein? Alors que je rationne plus ici à la maison. Oh, au moins, ils sont nombreux. Tu peux m'expliquer ça? C'est parce que tu n'as plus le temps d'aller faire toi-même le marché. Je t'assure, tu seras très surprise. Et toi? Désormais, c'est Sonia qui ira faire le marché après l'école. Et lorsqu'elle prépare, vous mangez avec parcimonie. Qu'est-ce qu'il y a? La nourriture de 2 jours ne fait même pas une journée. Hein? Ça, c'est de la gloutonnerie et de la bouffonnerie, madame. Monsieur le député Bissangor, votre fils fait preuve d'une dérive sans précédent. Il était pris en flagrant délit d'alcoolisme en milieu scolaire. Merci madame de me faire part de ces agissements, ici ou ici. Habituellement, il est souvent très lucide à la maison. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Monsieur, nous n'avons pas l'intention de châtier votre fils. Nous avons absolument besoin qu'il dénonce les trafiquants de ces produits dans le lycée. Paul! Qu'as-tu dit? Il a acheté un sachet de jeune ambulant là-dehors. Il a confondu avec du whisky. Et puisque j'avais tellement soif, je me suis malheureusement retrouvé en train d'en consommer. Donc tu veux me laisser croire qu'à cause d'un sachet de whisky consommé par accident, tu as saoulé au point de dormir en classe pendant le cours? Je sais que tu sais ce que je suis capable de faire quand on me... Oui, je sais bien, papa. Ça, c'est pour mon organisme. Moi-même, je ne comprends rien. Il ment! Ça, c'est du pur mensonge, ça! On n'en vend pas dans le lycée. On ne sert à rien de courir de tels malfrats. Ils seront démasqués d'une manière ou d'une autre. Si on en va au lycée, je n'en sais rien. C'est vous qui le dites. Je ne suis au courant de rien. Alors, s'il dit qu'il n'en sait rien, c'est qu'il n'en sait rien. Arrêtez ces accusations et fondez à l'endroit de mon fils. Cela pourra me causer préjudice au sein du Parlement. Et si vous continuez à vouloir me ridiculiser de cette façon, je vous porterai plainte, et vous, avec tous les responsables de cet établissement. Monsieur le député, vous n'aidez ni vos enfants, ni les enseignants en agissant ainsi. Où est donc votre part de responsabilité dans l'éducation de vos propres enfants? Madame, je suis le député Soukou. Je vous ai prévenu. Bonne journée. Les filles, je traverse une situation vraiment pitoyable à la maison avec ma folle de grande sœur Larissa. Figurez-vous que c'est moi qui fais toutes ces commissions chez son gars. Surtout, depuis qu'elle m'a attrapée avec les sachets dans la chambre l'autre jour, c'est devenu plus grave. C'est chantage sur chantage. Je ne comprends pas. Pourquoi elle ne parle pas, elle me fait ses commissions chez son gars?
Elle ne l'aime pas assez pour vouloir le voir tout le temps. Les commissions là même d'abord c'est quoi? Attends un peu. Ne me dis pas que c'est toi qui passes satisfaire les envies du bas-ventre du gars de ta sœur. C'est quoi? Elle me met les fermes ou quoi? Attendez, j'y arrive. Elle ramasse toute la nourriture de la maison pour son gars. Malgré la souffrance que notre mère témoigne, les mamites se vident à la maison comme les caisses de l'État. Et c'est à moi d'aller lui donner. C'est toi-même qui es mourou. Quelqu'un te fait le chantage. Pourtant, tu as un dur farce sur cette personne. C'est quel genre d'homme ça? Il ne travaille pas. Moi, ça me dépasse, ma chérie. Et il est même exigeant de ce quoi. Pourquoi la nourriture si est petite comme ça? Il n'y a pas l'eau. Vous ne préparez pas le riz parfumé chez vous. Le gars là me dégoûte au point où vous ne pouvez même pas imaginer. Maintenant, je ne sais même pas comment je peux faire pour dire ça à ma soeur. Dis-moi, même l'eau on doit lui apporter. C'est pas la sorcellerie ça par hasard? Il a seulement mangé le cerveau de ta soeur. Maman, tu as fait comment pour te retrouver dans ce genre de situation? Tu dis comme si tu blagues. J'ai tellement pitié de cette femme parfois. Elle-même, elle n'arrive même pas à manger à satiété dans sa propre maison. Là où le gars a alors dérangé, c'est là où il a essayé d'abuser de moi un soir chez lui. Oh. Vous vous imaginez? Le feignant là me drague et me demande aussi de gérer le bas-ventre. Je l'ai remis à sa place très mal. Je n'ai même pas pris de gants avec lui. Qui est-ce? C'est moi. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui t'amène? Que fais-tu là? En plus, ce n'est que Madame Mandeng que tu as vue ici. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas chez vous. Ce n'est pas là la question. Je te prierai d'être plus courtois que ça. C'est vous qui avez commencé à me questionner tel un vulgaire étranger. Stop! Arrête-moi ça tout de suite. Tu es fou de t'adresser comme ça à Monsieur Ngassa qui est lui aussi ton professeur. Qu'est-ce qui te prend? Et d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, réponds à la question. Que fais-tu ici? Madame, je suis venu pour les cours à domicile. Pour savoir à quel point j'en ai besoin pour préparer mon examen. Quoi? Tu lui donnes des cours chez toi? Laisse tomber. C'est hors de question. Et à ce qu'il paraît, tu persistes dans tes bêtises. Je t'ai dit que si tel est le cas, oublie la main tendue que je t'ai faite. S'il vous plaît, madame, j'ai vraiment besoin de votre aide. Les séances approchent. Bien sûr que tu en as besoin. Mais c'est dans le cadre de l'établissement avec les autres élèves de ta classe. Je te prie de sortir de chez moi. Et cette fois-ci, ne mets plus jamais les pieds. Oui, tu peux partir. Ne comprends-tu pas? Tu peux partir. Maintenant, le seul souci, c'est que je ne sais vraiment pas comment dire ça à ma soeur. Qui sait? Peut-être qu'il t'a prise pour une poupée sexuelle.
comme tu fumes souvent comme une poupée sans Oslan. Vanessa, tu parles trop. Vu qu'elle a souhaité de gérer le ventre, qu'elle gère aussi le bas-ventre et le tour est joué. Sincèrement, c'est très très délicat tout ça. Je propose que tu trouves tous les moyens pour la faire asseoir. Et donne-lui des raisons d'arrêter cette relation. C'est tout ce qui m'effraie justement. Va-t-elle me croire? Tu sais comment nous les femmes nous sommes souvent. Ne va-t-elle pas dire que je suis jalouse d'elle et son gars? Et que j'essaie de les séparer. Pardon, quel genre de gars même, dis donc. Même de la 5 francs, je ne prends pas. Il faut le dire. Et ça aide après de voir. Les filles. C'est comme si je signais moi-même mon arrêt de mort. Elle pourrait se mettre en colère et décider de tout balancer à notre mère. Vous avez toutes les deux des secrets. Si elle s'enflamme, tu lui rappelles ça. Il n'y aura pas que sur toi que ça va cuire. Mais parle-lui. Maman Martine, c'est ta mère. Alors que Larissa n'est que ta cousine éloignée. Elle n'a pas pitié de sa tante. Elle est sans cœur. C'est vous qui donnez le lait aux gens ici dehors. Moi, je ne peux pas accepter qu'une fille, en plus ma cousine, me fasse le chantage dans la maison de ma mère. Entre. Fais comme chez toi. Installe-toi. Cyril. Oui, maman. Viens, je te présente quelqu'un. Lui, c'est Monsieur Evina. C'est mon fils, Cyril. Enchanté, mon fils. Je suis content de pouvoir te voir, enfin. Moi de même, monsieur. Merci. Je vois Monsieur Evina depuis un certain temps. Et comme ça commence déjà à devenir un peu sérieux entre nous, j'ai tenu à te le présenter. Je n'ai plus un sérieux, Chimène. Moi, je ne dirais pas ça. Ah bon? Si. Et vous, qu'est-ce que vous diriez? Oui, ça nous intéresse. Que dirais-tu de plus? C'est très sérieux pour moi. Il n'y a pas si longtemps que je la connais. Et j'ai comme l'impression que ça fait depuis des années que nous sommes ensemble. Qu'on sent le besoin d'être avec toi tout le temps. Je ne suis pas tranquille quand tu es loin de moi. Maman, c'est un bel amoureux que tu t'es trouvé là. Je le sens bien. Ah bon? Vanessa, j'ai une confidence assez gênante à te faire. J'espère que tu ne vas pas te moquer de moi. Non, ne t'inquiète pas. À voir ta mine, tu as l'air vraiment sérieuse. Dis-moi. Dis-moi. Comment c'est la première fois qu'on a des rapports? Je veux dire, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? J'en connais une qui a des intentions pas très catholiques. Dis-moi s'il te plaît. Oui, c'est vrai, j'ai décidé de passer à l'acte.
Et en passant, tu me prêterais Flavien juste pour un soir pour conclure ça. Même pas dans tes rêves. Flavien, c'est ma chasse gardée. Au fait, on va te trouver un gars. Ça, c'est une nouvelle vraiment waouh! Une très bonne nouvelle. Laisse, je vais t'expliquer. Au départ, on ressent une petite douleur. Mais après, c'est un plaisir sans fin. Un plaisir comme tu n'as jamais ressenti de toute ta vie. Et dont tu ne pourras plus jamais t'en passer. J'ai vraiment hâte de passer ce cap. Je me demande comment ça serait avec le préservatif. Tu l'utilises, toi? Préservatif, c'est bien le préservatif. Mais le plaisir est plus grand quand c'est le full contact. Rien de mieux que cette sensation tellement agréable. Je ne savais pas ça. Et ça me touche que tu le dises devant mon fils et en même temps qu'à moi. J'apprécie vraiment. Ça me rassure. Et ce jeune homme aussi. C'est vrai, je me sens si bien ici. Surtout si proche de Cyril. C'est comme ça que je sais que c'est plus que Cyril. En fait, lui aussi il est veuf depuis 8 ans et a deux adorables petites filles. Eh oui, mon fils, la vie est parfois cruelle. Mais c'est du passé, ça, Chimène. Aujourd'hui, je suis rentré dans ma vie. Et je me sens revivre pour la première fois depuis de nombreuses années. Ça me rassure de savoir que ma mère est encore de bonne main et surtout qu'elle est aimée. Merci. C'est une femme forte, mais qui a besoin d'un peu de soutien et beaucoup d'amour. Oui, mon fils. Moi, je serai toujours là pour ça. Tu vas nous acheter quelque chose à boire, non? Non. Tu es notre invité aujourd'hui. Laisse-moi te faire avoir. Ok, d'accord. Tu connais déjà ce que je prends, non? Ah oui, chérie. Merci. Mais c'est risqué, ça, non? Oui, très risqué. Il suffit de connaître son partenaire. Faire des tests nécessaires et prendre des précautions essentielles. Toujours est-il qu'il n'y a rien de plus bon que le contact direct. Avec Flavien, ces moments sont toujours paradisiaques, torrides et sensuels. Le secret pour garder ton gars, c'est de bien lui donner ça. Flavien prend ça dans toutes les positions. Et je sais bouger mes choses. Donc, si je ne sais pas comment t'y prendre, tu vas te faire chipper ton gars avec les panthères qu'il y a ici dehors. Là. Ça de ma vie.
c'est juste. Assume, je te rappelle qu'à l'octora, une demande d'explication. Assume, dans ma terre, que ouais, t'as l'entrée de la piole avec la lave. Assume, t'as les dos de la pension à payer et un reçu à présenter. Assume, ce week-end t'avais beaucoup à devoir à faire, qu'as-tu fait? Assume, les examens même sont plus loin, j'espère que tu as préparé bad boy. Assume, si tu te prends une grossesse, tu vas gérer de scouler un bébé. Assume, prépare-toi à présenter toutes ces fournitures qu'on t'avait dit d'acheter. Assume, prise ta femme de tèche, une allumette enflammée, jardin. Jardin, lève les bons laits, si tu dis place au dos, c'est déjà lancé. Jardin, c'est pas terminé à l'entrée, les coups d'un de le laisser passer. Jardin, lève dans la place en...